Alors tout d'abord, on vient, on prend la pince. On vient la positionner contre la jante, dans la rainure. Ensuite, on vient serrer l'écrou, enfin la vis de serrage plutôt. On n'hésite pas. On prend la clé. Avec la clé, on serre vraiment. Une fois que c'est bien serré, on va venir chercher le bras. Tout d'abord, on sort la vis, la tige filetée. On desserre l'écrou en laiton. On ouvre le boîtier. On vient passer la tige filetée dans le boîtier de condamnation. On place bien la coupelle sur le centre de la roue. Avec l'écrou en laiton, on resserre. Une fois que c'est fait, on prend la clé, toujours la même, on serre, on n'hésite pas. C'est ce qui va permettre de serrer le bras contre la pince, donc contre la jante. Une fois que c'est fait, on vient resserrer, on retire la clé et le sabot, il est monté. Voilà, alors on vient, on prend la clé, on ouvre le boîtier, on prend la clé de serrage, on vient desserrer l'écrou en laiton. Une fois que c'est un petit peu desserré, on retire la clé. À la main, ça se desserre tout seul. Voilà, on retire l'écrou en laiton. On vient faire glisser le bras dans la rainure, voilà. Ensuite, on reprend la clé. Tout d'abord, on resserre l'écrou en laiton sur la tige filetée pour éviter de le perdre. Ensuite, on vient redesserrer, voilà, la pince. Une fois ça, on démonte la pince et c'est fait.